Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Maurice Favière, en saharienne, vous allez savoir pourquoi dans quelques secondes. Car, moi, j'ai conscience professionnelle. Depuis déjà, c'est la deuxième émission où la parole et les recettes sont les recettes des téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous écrivent et celles qui sont sélectionnées. Moi, je préfère les téléspectateurs. Ça ne m'étonne pas de toi. Surtout Marie-Françoise. Attends, on va en parler de Marie-Françoise après. Sont avec nous. Et là, nous avons sélectionné une recette de couscous de poisson. Oui. Qui nous a été envoyée par Marie-Françoise Attab, 23 ans. La voilà. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Marie-Françoise. Et cette recette est remarquable, je tiens à le dire. J'ai découvert les boulettes, comment ça s'appelle déjà Les keftas. Les keftas de poisson, c'est absolument extraordinaire. Donc c'est ses yeux bleus, moi, qui m'ont frappé. Les boulettes de poisson, je vais te dire. On va commencer par le couscous lui-même, la graine. Pour 8 personnes, 8 à 10 personnes, il nous faut 2 paquets de 500 grammes chacun de couscous moyen. Que nous mettons dans une grande passoire. Très fine, hein, très fine. Sinon, qu'est-ce qui se passerait si elle n'était pas très fine? Ben, ça passerait tout droit. Comme voilà, les petites graines passeraient tout droit dedans. Et le couscous, il faut le mouiller. Alors, 2 solutions, la bonne et la mauvaise. Moi, j'ai la bonne. Regardez ici, de l'eau froide. Je trempe. Le couscous entièrement dans l'eau froide. Mets-moi un peu d'eau encore, Maurice, s'il te plaît. Tu faut que tu couvres largement. Vas-y. Et nous allons... Voilà, encore un peu. Voilà. Nous allons laisser tremper le couscous, passe-moi la cuillère, dans l'eau froide. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Eh bien, parce que le couscous contient beaucoup d'amidon. Et que de cette façon, vous le verrez tout à l'heure, l'eau va devenir toute trouble... Et le couscous se détachera parfaitement bien. Marie-Françoise, est-ce que vous faites comme ça? Non, je ne fais pas comme ça. Bah, comment vous faites, vous? J'ai peut-être la mauvaise solution, mais je mets directement l'eau sur le couscous. Plaisir. Et vous aspergez Oui, je mouille mon couscous directement. Elle mouille son couscous, mais c'est beaucoup plus long. Oui, pour me contrarier. Le couscous, ça veut dire beaucoup de légumes. Ça, j'ai respecté exactement ce que vous avez dit. Les légumes du couscous, de poisson, regardez-les, 2 courgettes. 4 tomates, 3 petites pommes de terre, 3 poireaux, 2 branches de céleri, 3 carottes et 3 gros navets. Ah, toi, tu regardes la télé, bon. On enlève tous ces légumes, merci, et les voilà maintenant coupés, c'est-à-dire les carottes, les navets, les branches de céleri et les poireaux. On réserve les autres légumes pour tout à l'heure. Et ici devant nous, 3 litres d'eau bouillante. Marie-Françoise, je suis nerveux de vous le dire, mais vous étiez partie, vous, sur 1,5 litre d'eau. Et c'était un peu court. Oui, effectivement, mais enfin, je l'aurais rajouté après, de toute façon. Voilà. Alors moi, je fais tout d'un coup, j'étais tort, remarquez, mon frère, ça marche. Non, je pense que ça revient même. Si elle aussi, elle a un petit ami comme ça. Marie-Françoise est mariée, s'il vous plaît. Je mets 2 cuillères à café de sel fin dans ces 3 litres d'eau bouillante. J'ajoute les navets coupés en 6. Les carottes qu'on a partagées en 2, d'abord dans le sens de la longueur, puis qu'on a coupées en longs bâtonnets. Oui. Les branches de céleri, les 2 branches de céleri, les voilà. Non, c'est pas la peine de faire remarquer que j'en mets partout, merci. Et les poireaux, les 3 poireaux que nous avons coupés. Alors, il faut les laver soigneusement, les poireaux. Hein. Bien sûr, oui. Vous faites attention, vous aussi. Qu'on a coupés en morceaux. Voilà. C'est une couscoussière, ça s'appelle comme ça, tiens Maurice. Oui. Et maintenant, je vais vous présenter une partie de la recette. J'approche tout ça, ça vient. Ne t'inquiète de rien. Voilà. Nous allons faire des boulettes de poisson, et pour moi, Marie-Françoise met en plus, et on le fera d'ailleurs, on va rajouter la dorade de 1,250 kg. Mais là, je plaisante pas. J'ai vraiment découvert, grâce à vous, les boulettes de poisson, les keftas. C'est merveilleux. Et un couscous simplement avec les keftas, c'est vraiment extraordinaire. Ça se suffit. Hein. Oui, effectivement. Donc, chez vous, si vous voulez faire comme ça, ne faites que ça. Non, absolument pas. Tu me passes la passoire de la couscoussière, s'il te plaît. Voilà. Alors, cette passoire de la couscoussière a été huilée. Et nous avons devant nous 400 grammes de filet de merlan. Alors, ils sont salés et poivrés. Je les mets au fond de la passoire de la couscoussière huilée. Tu vois? Regarde ici, l'eau arrive à ébullition. Tu vois? Je pose
Tout juste, oui. Elle arrive, je pose la passoire dessus. Ouais. Maurice, tu mets le couvercle, s'il te plaît. Oui. Et nous allons laisser cuire ces filets de merlan. Vas-y. Il est trop, là. À la vapeur, pendant 10 minutes. Dans 10 minutes, ils seront cuits, on les enlèvera et on fera avec ça les boulettes de poisson. Bon, ah, ici, il faut que j'égoutte mon couscous, tu me passes la grande, voilà, la grande bassine. Alors, le couscous, le voilà. Regardez l'eau qui est dessous. Vous voyez que de claire qu'elle était tout à l'heure, elle est devenue toute trouble. Ouais. Ça se voit, ça. Et là, le couscous, je l'égoutte et je le verse dans une... on appelle ça dans le sud-ouest une gardade. Comment on dit dans le... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais nous, on ne le met pas dans un bassin en plastique. Voilà, voilà, vous n'avez pas... voilà. Dans une gamelle. Dans quoi vous le mettez, vous? On le met dans un grand, une grande bassine, mais qui est en métal et qui va avec le couscoussier, qui est de la même matière. Ouais. Ils ont les moyens. Mais nous, vous savez, on est des petits. On a fait cette recette pour que... Tu l'enlèves, oui. Pour que tous les téléspectateurs puissent le faire chez eux. Ça s'appelle un lien, mais ça n'y a rien. Alors, s'il vous plaît, si vous faites la vaisselle là-dedans, vous la lavez avant de mettre le couscous dedans. On aurait pu aussi, on a aussi des trucs métalliques. Oui, on a des trucs métalliques. Et là, nous allons faire maintenant une sauce. Une sauce qui, elle, vient dans les légumes. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Jusque-là, je ne me trompe pas. Je suis content parce que tu sais que c'est dur de passer un examen comme ça. Mais oui. Donc, une poêle. Dans cette poêle, Maurice, 3 cuillères à soupe d'huile. 3 cuillères à soupe d'huile. S'il te plaît. Oui. Et là, vu de nez, vas-y, comme ça. Vas-y. En voilà une. Encore une. En voilà deux. En voilà deux. Et en voilà trois. Hop, 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 c'est parti. Deux oignons hachés très fins que nous mettons dans l'huile. Ouais. Maurice, s'il te plaît, avec ta dextérité habituelle et avec une cuillère en bois, tu vas mélanger, tu vas, s'il te plaît, mélanger pour que les oignons commencent à cuire. Et puis, les tomates, je vous en parle une seconde. Les 4 tomates de tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons fait? Nous les avons plongées 10 secondes dans de l'eau bouillante pour les peler. On les a partagées en deux et on les a pressées entre les doigts pour enlever le jus et les pépins. Ça y est, ça commence à dorer ici. Nous ajoutons dedans une cuillère à soupe de concentré de tomates. Le voilà. Oui, je touille toujours. Tu touilles toujours. J'attouille. Et alors là, accrochez-vous bien aux branches, les enfants. Nous ajoutons également une cuillère à soupe. Ouais, monsieur. Ouais. Une cuillère à soupe de harissa. Qu'est-ce que le harissa, s'il vous plaît, Marie-Françoise? Ce sont des piments très forts, qui sont petits comme ça, rouges, sont très très forts et qui sont hachés très fins avec de l'huile. Oui, et vous m'avez dit avant l'émission que chez vous, c'était une cuillère à soupe de harissa par personne. Dans l'assiette, oui. Dans l'assiette. Vous me le confirmez? Oui, oui. Voilà. Alors, moi, je dis rien, mais je trouve ça extraordinaire. Bravo, bravo, bravo. J'y arrive pas. J'ai peur quand même pour les petits palais des gens du sud-ouest. Hein. Mais c'est merveilleux. Alors, regardez les tomates. Oui, si c'est bon. Là, regarde les tomates. Regarde, Maurice. Je les mets comme ça. C'est ça. Tu prends la fourchette, s'il te plaît. Oui. Tu enlèves ta cuillère en bois et tu commences, s'il te plaît, à m'écraser les tomates. Ah bon? Écrase-moi carrément les tomates dedans. Ouais. Voilà, c'est ça. Je fais le tour de toi, j'arrive, ne te dérange pas. Et j'ajoute dans la poêle un verre, c'est-à-dire 20 centilitres d'eau. Voilà. Je commence à bien connaître mon métier de cuisinier. Je sale légèrement. Je poivre légèrement. Tout ça, ça se fait dans la plus grande décontraction, le couscous. Ici, ça marche bien, tu vois, la vapeur passe par-dessus. Et quand Maurice aura fini d'écraser, nous allons laisser finir la cuisson des merlans. Il reste environ 5-6 minutes. Et pendant 5-6 minutes, on va laisser cette sauce réduire un peu. 10 minutes ont passé pendant ce temps-là, Maurice a continué à touiller et les filets de merlan sont cuits. Alors, on va les regarder, c'est Maurice. Très beau, c'est ce que j'ai fait. On va les regarder. Les voilà. Regarde. Ils sont parfaitement cuits. La cuisson à la vapeur, on en reparlera, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, ces filets de merlan, il faut les mettre dans un plat. Si on les casse en morceaux, ça n'a aucune importance puisque voilà, il va falloir les effriter, tu vois. Alors bon, bah allons-y gaiement. Et cette passoire, en principe, il faut la rincer, bien sûr, et il faut la remettre
il faut la rehuiler à nouveau pour la préparer pour le couscous. Alors regardez maintenant la graine de couscous. La graine de couscous, elle est presque sèche, pas tout à fait. Tu vois ? Mmh. On peut la prendre entre les doigts sans problème. Ouais. Elle a bien égoutté, il a fallu 10 minutes pour ça. Et maintenant, Maurice, regarde bien. Oh, tu fais ça ? Oui, je vais le faire. Il lève les mains, monsieur. Regarde. Je vais prendre de l'huile entre mes doigts. Ah, les cuillères, Marie-Françoise, ne se fait pas comme ça. Hein. Je frotte entre mes mains. Ouais. Maurice, tu me remets de l'huile, s'il te plaît. 5 cuillères à soupe, oh, comme ça. 5 cuillères à soupe. Voilà, 2, merci. Ouais. De façon à ce que tous les petits grains de semoule soient imprégnés d'huile, tu vois. Encore. Oui. Alors comment vous faites, vous, expliquez-moi, parce que moi je m'avais expliqué, merci. Je mets l'huile directement sur le couscous, et puis de toute façon, lorsque j'ai mis l'eau sur le couscous, je le mets sur le couscoussier. Ouais. Lorsque la vapeur passe à travers, je le remets dans la bassine, et à ce moment-là, je mets l'huile et... J'ai et je rien fais comme vous. Compris, dis. Vous avez... Bon, enfin, c'est vrai, vous m'expliquerez ça tout à l'heure après l'émission, vous m'en ferez. Hein. Allez, une troisième. Allez, troisième, voilà. C'est la quatrième. C'est la quatrième. Voilà. Heureusement que je connais et tout. Hein. Maurice. Oui. Tu vas, s'il te plaît, toi, te préparer à verser tout le contenu de ta poêle... Là-dedans ? Non, dans le bouillon. Vas-y, fais-le. Oui, hop, hein, moi, je fais ma cinquième, ma cinquième cuillère à soupe d'huile. Et... Vas-y, voilà. Alors là, vas-y. Va se passer des choses, là. Ça y est, tu y es ? Eh ben, c'est pas si mal ce que j'ai fait là-dedans. Bravo. Attends, il faut que je t'aide peut-être. Hein. Non, tu vas y arriver ? Non, ça suffit, très bien. C'est-à-dire que je me brûle avec le... Alors, regardez. Voilà. Tu l'as pas éteint, non ? Mets plein de feu maintenant. Si, non, mais j'ai éteint parce que je rallumerai, mais là, je me brûle. Non, ça marche. Regardez ici ce que je fais. Je verse toute cette graine dans la passoire rincée et huilée à nouveau. Et surtout, je ne tasse pas cette graine. Ça, c'est très important. Marie-Françoise, moi, je ne la sale pas au départ. Je la salerai après la première demi-heure de cuisson. Oui, c'est comment, ça. Vous oui. aussi, vous faites pareil ? Oui, moi aussi, oui, moi de même. Alors là, au moins, on a un point en commun. Oui, hein. Quand même. Ils sont d'accord. Tu sais, Marie-Françoise, elle était géniale. Elle m'a envoyé la recette du couscous de poisson, avec surtout la recette du poisson, des ingrédients, tout ça. Et elle m'a dit, pour le couscous, vous faites comme il faut faire. Eh, alors, il y a des traditions. Je suis parti sur ma recette, puis c'était pas la même. D'ailleurs, tout de suite, regardez, on va prouver qu'on n'a pas fait la même chose, car moi, je rajoute dans le bouillon un paquet d'ailerons de volaille. D'abord parce que ça donne du goût, et qu'ensuite, il y a tellement de couscous et de légumes qu'avec ces ailerons de volaille, quand ils seront cuits, on les mettra de côté, et on gardera ça le lendemain, et ces ailerons de volaille désossés avec le reste du couscous et avec les légumes, en salade, ça sera assez extraordinaire. T'as compris ? Très bien. Bon. Alors, je pose la passoire sur la couscoussière. Ce qui est logique. Il faut attendre qu'une vapeur s'échappe des grains. Pour ça, on ne couvre pas hein, avec la passoire. Je ne couvre pas avec le couvercle. Si, elle couvre. Moi, je ne couvre pas. Bon, alors, ça y est, nous voilà partis maintenant pour les boulettes de poisson. Mais regardez, ici, ouais. On le voit, si tu poses la main sur le couscous, mets là-dessus, hein. Tu vas voir qu'il est très chaud. Oui. Faut partir de maintenant, nous allons, avec cette vapeur qui sort entre les graines, laisser cuire le couscous une demi-heure. Et on se retrouvera, on a du travail d'ici là, hein. On va faire les boulettes de poisson. Alors, Maurice vient de mettre en tout petits morceaux les filets de merlan et... Nous allons les mettre dans le saladier. Mais regardez ce que j'ai devant moi, une demi-baguette de pain dur, je vous le prouve. Dur. Je le mets dans un saladier et je couvre ce pain dur largement d'eau froide. Marie-Françoise, c'est ça ? C'est cela, oui. Jusque là, vous êtes d'accord. J'ai réussi à faire le pain dur, les mecs. Tout va bien pour moi. Je suis un grand chef. Il va tremper. Mais on a dû tremper. Et je vous montre le même pain trempé. C'est fou ce que ça abonde quand ça a trempé. Hein. Alors, les filets de merlan, je vais les mettre dans le saladier. Et Maurice, tu vas égoutter entre tes petits doigts de fée en serrant bien. Bon. Tu vas égoutter bien pressé dessus. Il faut bien presser, Marie-Françoise. Oui, il n'ose pas y aller. Vas-y, si elle te dit d'y aller, Marie-Françoise. Oh, vas-y, presse. Je vais y aller. On presse bien le pain et on le met
avec les filets de merlan. Et puis, j'ajoute, vas-y, j'ajoute sur le pain 3 oignons qui ont été... Bon, t'as vu si j'y vais, Franco, là hein? Il est bien, mon camarade. Ouais, 3 oignons qui ont été râpés. Nous, on les a passés au mixeur, mais on les râpe, enfin, on fait ce qu'on veut, hein. Oui, le tout, c'est qu'ils soient... Ils ne soient pas complètement liquides, c'est oui, ça. Oui, c'est ça, oui. Bon, voilà. On ajoute également 3 grains d'ail hachés fins. Mmh. Ouais. On ajoute... Voilà. Une cuillère... Enlève ça maintenant. Une cuillère à café de paprika. Paprika, merveilleux. Une poignée de persil haché. Une bonne poignée. Il n'y en a pas assez, là? Oui, il y en a assez, mais c'est vous tout pouvez juste, mettre tout. Hein. Vous voudriez que j'en mette un peu plus. Non, ça va. Bon, ça fait une poignée, quoi. J'ai trouvé, tu sais, il était très cher aujourd'hui. J'étais au marché, j'ai trouvé le merci très cher. Je casse un œuf sur le tout. C'est ça? Oui. Je casse un œuf sur le tout. J'ajoute une cuillère à café de sel. Fin. Je poivre. Et là, j'ajoute, c'est... Marie-Françoise, j'ai eu un problème pour le trouver. Vous m'aviez dit d'acheter des pétales de rose séchés en poudre. C'est cela, oui. Qu'on trouve dans les magasins spécialisés. Oui, on trouve dans les épiceries tunisiennes. Oui, mais je n'ai pas trouvé d'épicerie tunisienne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez l'herboriste. Je ne plaisante pas, j'ai acheté des pétales de rose séchés et je les ai pilés. C'est très bien, et c'est très bon. Mais vous m'avez dit que si on ne trouvait pas ça, on pouvait quand même faire le couscous. Hein? Oui, bien sûr. La rose, alors ça sent la rose. Mais oui, c'est vrai. Ça sent la rose. Je mets une belle cuillère à café de pétales de rose en poudre. Ouais. Et alors, parce que Marie-Françoise me l'a demandé, j'ajoute une cuillère à café de harissa. C'est ça? C'est ça. Et allons-y gaiement. On n'est pas des petits. Les tulipes, ça va pas, non? Et avec ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écraser tout ça ensemble. Après, on va l'écraser longuement dans les mains pour faire une pâte homogène. De toute façon, il faut prendre avec les mains parce que... Oui, comment est-ce qu'on les roule? Expliquez-moi. On se trempe la main... Dans l'eau froide. Voilà. Et vous prenez avec la main une petite boule que vous retournez. Qu'on retourne comme ça dans la main. Oui, c'est cela, et qu'on met sur un plat. Non, non, qu'on met directement dans la friture. Parce que dans le plat, elle va un peu s'étaler. Ah ben moi, ça a marché, moi, dans le plat. Alors, si ça a marché, tout va très bien. Ouais, je vais le faire, d'ailleurs. Maurice, la première série de boulettes a été égouttée, là, juste à l'instant. Oui. Et regarde, je vous montre comment on fait ces petites boulettes. On les met dans de l'huile très chaude. Très chaude. Ça, c'est la deuxième série. Tu te rends compte, ça nous en a fait beaucoup, hein. Oui, oui. Grosse comme des balles de ping-pong. C'est pas la première fois qu'on fait des boulettes à la télévision. Oui. Les keftas. Et là, regardez. Attention. Je vais faire ça avec la poêle. 7 minutes d'un côté. 7 minutes de l'autre, il faut qu'elles soient bien bronzées, Marie-Françoise. C'est cela, oui. Car sinon, quand on va les réchauffer tout à l'heure, elles s'esclafferaient complètement. Hein. Ça viendrait de la bouillie. Bon, on laisse finir le couscous de cuire une demi-heure avec la vapeur qui s'échappe et on se retrouve aussitôt que c'est fait et que les boulettes sont cuites. À tout de suite. 30 minutes. 30 minutes ont passé depuis qu'une vapeur s'échappe du couscous. Oui. Toutes les boulettes sont terminées, qu'est-ce qu'on a travaillé. Oh là elles là sont dans une casserole, on les oublie. Devant nous, une dorade de 1,250 kg, salée et poivrée, partagée en 4. Pour tout à l'heure, on l'oublie. Le couscous, dis donc, qu'est-ce que ça bout dessous? Je le verse dans... Dans la gardane. Oh là là, regarde. Je sale. Une sorte de séisme. Je sale avec 2 cuillères à café de sel. 1, 2. Marie-Françoise, d'accord pour saler maintenant. Hein? D'accord. Et là, avec une écumoire, Maurice, tu vas y aller. Oui. Et tout ça, tout ce couscous qui est en bloc pour l'instant, va à nouveau redevenir en tout petites graines. Et quand il sera bien fait, tu vérifieras s'il n'y a pas des petites boules qui restent. Les petits grumeaux, les petits grumeaux, tu les détruis. Oui. Et tu verras, il n'y en a pas. Hein? Bien, bien. Et il faut laisser le couscous devenir un peu tiède. En faisant ça, sans arrêt, Maurice, vas-y. Allez, c'est parti. Moi, ici, le bouillon continue de cuire parfaitement bien. 2 courgettes, vous vous en souvenez de ces 2 courgettes? On les a coupées en morceaux. Et les 3 pommes de terre, on les a coupées en 6. Les courgettes, je les ajoute dans le bouillon. Je vais ajouter un peu d'eau hein, dans le bouillon, quand même. Oui. Malgré les 3 litres d'eau, hein.
J'ajoute les pommes de terre, comme ceci. Je vais ajouter un petit peu d'eau, pas beaucoup, 2 verres environ. Et là, fais voir Maurice. Tu fais ça très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pendant 3-4 minutes, on va bien égrainer, façon à ce que le couscous refroidisse un peu. Et quand il sera un peu refroidi, à nouveau, l'huile dans mes mains, 3 cuillères à soupe d'huile. Attends, tu enlèves ça une seconde. 3 cuillères à soupe d'huile pour le frottant. À nouveau, je le mets dans la passoire qui a été rincée et qui a été huilée à nouveau. Et on va reposer cette passoire sur le bouillon pour 20 minutes. Mais 20 minutes après, les légumes sont cuits. Alors, pour l'instant, j'enlève la passoire de la couscoussière. Maurice, je la pose sur une assiette. Je prends... C'est chaud, attention. C'est chaud, tu vas te brûler. Je prends la couscoussière avec tous les légumes. Et tous ces légumes, je vais les égoutter dans le plat qui est là. Et tous les ailerons de poulet, je sais qu'il n'y en a pas dans votre recette, Marie-Françoise, on va les réserver. Pourquoi tu mets des ailerons? Pour faire des salades avec. On va les réserver, hein. Bon, à tout de suite. Et voilà tous les légumes. Maurice, le papier qui est là, tu le poses sur le plat. Tu vas, s'il te plaît, mettre ça au four thermostat 1, très doux, vite. Et on va les laisser le temps de la fin de la cuisson. J'ai remis le bouillon ici sur le feu et la dorade salée et poivrée, je vais la mettre en 4 morceaux, comme ceci, pour très exactement 15 minutes. Ça suffit. C'est tout. Ça sera parfaitement cuit. Je repose. Tu vas mettre le truc dessus, pour 15 minutes de plus. Marie-Françoise, dans 15 minutes exactement, s'il vous plaît, mon petit, je vais vous demander de venir m'aider à préparer tout ce couscous sur tous les plats. Hein. Je l'ai à moitié gosier. Vous êtes prête? D'accord. D'accord. Il y a 15 minutes que le poisson est avec le bouillon. Qu'est-ce que j'ai fait il y a 10 minutes environ? J'ai pris un bouillon, une louche de bouillon, j'ai remis à chauffer doucement avec les boulettes. Hein. Maurice, tu vas chercher tes légumes, s'il te plaît. Oui. Ma petite Marie-Françoise, voulez-vous venir avec nous? Regardez ce que je fais ici. Le couscous, je le verse à nouveau dans la bassine. J'ajoute, tiens, tu mets ça ici. J'ajoute 100 g de beurre. Mettez-vous entre nous deux. Entre nous deux. Voilà. 100 g de beurre. Ici, je vais commencer. Vous ne voulez pas le faire, ça, mélanger? Elle déteste le faire avec du beurre. Tu trouves pas qu'elle a été grandiose? Elle a été formidable. Oh, quelle merveille. Bravo, mon petit. Allez, vite, vite. Nous, le poisson, on va le mettre dans le grand plat. Ici, les légumes, tu vas entourer le poisson. Le bouillon, on va le passer. On va mettre les boulettes dans un autre plat. Enfin, on fait tout ça en quelques secondes. Après... Le temps de vous rappeler les proportions. Hein. Alors, pour un couscous géant, pour 8 à 10 personnes, il nous a fallu quoi? Pour le couscous lui-même, 2 boîtes de 500 g de graines de couscous moyen, c'est important, 2 cuillères à café de sel, 8 cuillères à soupe d'huile, 100 g de beurre ramolli qu'on ajoute à l'instant. La sauce et les légumes. Alors, 3 litres d'eau, on en a rajouté un peu d'ailleurs, 1 paquet d'ailerons de poulet, Marie-Françoise n'est toujours pas d'accord. Non, mais ça ne fait rien. Mais ça ne fait rien. 3 cuillères à soupe d'huile, 2 oignons, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate, 1 cuillère à soupe de harissa. Là, elle est d'accord, Marie-Françoise. Ah oui. Bon. Harissa, zaraï. 4 tomates, 2 cuillères à café de sel, 3 poireaux, 3 navets, 2 branches de céleri, 3 carottes, 2 courgettes, 3 pommes de terre BF15 qui tiennent à la cuisson, du sel et du poivre. Et puis, en plus, il y a eu les boulettes qu'on appelle des... keftas. Des keftas. Alors, pour vraiment, alors, beaucoup de keftas, il nous a fallu très exactement 400 g de filet de merlan, 1/2 baguette de pain rassis qu'on a fait gonfler dans de l'eau, 1 œuf, 3 oignons râpés, 3 grains d'ail hachés très fins, 1 cuillère à café de sel, beaucoup de persil, hein? Oui. Beaucoup de persil, 1 cuillère à café de harissa, oui. 1 cuillère à café de poudre de rose, si vous n'en trouvez pas, vous ferez quand même le couscous, 1 cuillère à café de paprika, de l'huile, et puis une très belle dorade de 1 kg 253 grammes, c'est ça? C'est ça, presque ça. Allez, vite, vite, on dresse tout ça. Suivez, allons-y, c'est suivez parti. Le kit. Chacun à sa place, s'il vous plaît. Suivez le kit.
Voilà. Youpi. Oh là là. Allez vous asseoir, vite, vite, les enfants. Déjà, on va nous dire de dire au revoir. Où est-il, le poisson? Le voilà. Le voilà. Alors là, on va se régaler. On n'a même pas le temps de le goûter devant vous. Ça n'a aucune importance. On vous dit merci de nous avoir écoutés. Bravo à Marie-Françoise. Merci. Vous avez été superbe. Et à la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir. Au revoir. À ta santé, mon petit. Merci. Boris. À la vôtre. Tu as été grand enfant. Merci. Ça, c'est vraiment...